Masechet Shabbat Daf Ayin Aleph, on va commencer par Ayin Amud Bet, les six dernières lignes au bas de la page. Amarava, Katsar Vetahan Kagrogeret, Bishgagat Shabbat Usdon Melachot, Vechazar Vekatsar Vetahan Kagrogeret, Bisdon Shabbat Veshigigat Melachot, Venodarlo Ala Ketsira Vetahina Shel Shigigat Shabbat Usdon Melachot, וחזר ונודע לו על קצירה ועל תחינה של סדום שבת בשגגת מלאכות. קצירה גוררת קצירה ותחינה גוררת תחינה. אבל נודע לו על קצירה של סדום שבת בשגגת מלאכות. קצירה גוררת קצירה ותחינה שעימה ותחינה שכנגדה Bimkoma Omedet. Alors, Morel Rabotai, pour comprendre cette soulia qui est très complexe, on va comme d'habitude prendre le temps de donner quelques introductions et d'expliquer Be'ezrat Hashem petit à petit. Le principal, c'est de comprendre. Première introduction, c'est le din de la Mishnah. Nous avions vu qu'il y a une différence entre le cas où l'homme se souvient qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ignore la halakha. Il ne sait pas qu'il est interdit de faire des mélachot pendant Shabbat. Alors il s'est permis d'effectuer toutes sortes de travaux, il a allumé la lumière, il a construit un mur, il a écrit, il a cousu, il a fait toutes sortes de mélachot. Combien de korbanot doit-il apporter dans ce cas? Eh bien, s'il a fait 39 travaux, 39 korbanot. Puisqu'il a fait ça Béchogeg, par ignorance, ou bien c'est le contraire. L'homme connaît les halakhot parfaitement. Il sait que c'est assour Shabbat de faire toutes sortes de travaux, mais il a perdu la boussole, il a perdu le nord. Il n'a plus de calendrier, il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Il a cru que c'était un jour de semaine. Et par conséquent, toutes les halakhot qu'il a effectué ce jour-là, c'était par l'oubli du Shabbat, ce qu'on appelle Shigegat Shabbat. C'est l'ignorance au niveau temporel. Il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. C'est ce qui était à l'origine de toutes ces infractions. Il a effectué 39 travaux, mais à cause d'une seule et même ignorance. C'est la notion du temps. Il a perdu la notion du temps, puisqu'il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Alors, il a effectué 39 travaux. Combien de korbanot doit-il apporter? Par rapport à la shgaga, combien de shgagot y a-t-il? Une seule. Alors, un seul korban. Ça, c'était le din de la Mishnah. Donc, c'est sur cette base-là que la Gemara va commencer à construire petit à petit le sujet qu'elle va nous présenter. Deuxième notion, juste pour se rappeler que les travaux interdits pendant Shabbat, s'ils sont relatifs à l'aliment, à la nourriture, alors ils sont restreints au chiour de kagrogeret. C'est le volume d'une figue. Par exemple, quelqu'un qui transporterait dans la rue un aliment, pour qu'il soit hayav korban chatat, combien doit-il transporter? Au minimum, kagrogeret. Le volume d'une figue. Pareil si, par exemple, il a moissonné, il a cueilli. Combien doit-il cueillir en quantité? Minimum kagrogeret. Kotser kagrogeret, hayaf ratat, s'il a fait ça béchogek. Pareil pour tohen, quelqu'un qui va moudre du blé. Combien doit-il moudre? Kagrogeret. Alors voilà déjà la notion de melacha, shabbat, par rapport à tout ce qui est ochalin, tout ce qui est ochel, c'est kagrogeret. Maintenant, la Gemara, de quoi va-t-elle parler? Elle va parler de la récidive. Un récidiviste, un homme qui a refait la même melacha plusieurs fois le Shabbat. Évidemment, on ne parle pas d'un récidiviste volontaire. On parle de quelqu'un qui, malheureusement, est déconnecté et fait des choses par inadvertance, sans prise de conscience de ce qu'il fait. Alors, on a dit que un homme
qui a récidivé. Il a fait une mélacha, par exemple, le matin. Il a été kotser. Ou il a été tohen. Il a cueilli. Ou il a moulu, le matin. 2 heures après, il refait la même chose. 3 heures après, il refait la même chose. 10 fois, il a refait la même chose pendant Shabbat. Combien de korbanot doit-il apporter? Même s'il s'agissait de shigegat melachot. Quelqu'un qui a, par exemple, moulu le matin. Il a moulu l'après-midi. Il a moulu encore une fois. 10 fois, il a moulu. Mais tout cela, c'était be'alem echad. Dans le cadre du même oubli. Ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu compte. Il n'a pas pris conscience de sa faute entre une action et l'autre. Dans ce cas, il n'apportera qu'un seul korban. Là, il n'y a plus de différence entre Shigegat Shabbat ou Shigegat Melachot. Peu importe quelle est la raison de son ignorance, qu'elle soit au niveau temporel ou au niveau halachique, ça ne change absolument rien. Cet homme, à partir du moment où il a refait exactement la même action plusieurs fois, et il n'y avait pas de yedirot mechalkot, il n'y avait pas une yedira, une prise de connaissance de la faute entre une action et l'autre, alors toutes ces infractions seront mechuparot avec un seul korban. Il va donc expier toutes ces actions, toutes ces infractions avec un seul korban. Donc maintenant qu'on a compris l'introduction, passons au sujet. Rava nous enseigne. Il nous dit que, imaginons quelqu'un qui, Shabbat matin, a fait 2 melachot. Katsav vetaham beshogeg. Kagrogeret, il a pris du blé, il a moulu. Il a pris sa faucille, il a été aussi cueillir du blé. D'accord? Ou bien il a cueilli une pomme. Ketsira, c'est une melacha. Tehina, c'est une melacha. Donc il a fait 2 melachot beshogeg. Katsav vetaham kagrogeret. Bishgagat Shabbat usdon melachot. Le matin, lorsqu'il avait fait ça, c'était parce qu'il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Il savait que ces melachot sont interdites. Mais il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Quel est le din au niveau des korbanot? Combien de korbanot doit-il apporter? Évidemment, un seul korban, puisque l'origine de toutes ces infractions, c'est l'oubli du Shabbat. Donc automatiquement, un seul korban. L'après-midi, Hazar ve Katsar ve Tachan Kagrogeret. À nouveau, il a fait Ketsira, il a cueilli, il a moissonné Kagrogeret. Ou bien, pas ou bien, aussi Tachan. Donc il a fait 2 melachot l'après-midi. Ketsira, Tehina. Mais cette fois-ci, dans sa tête, il y a eu un changement. Il y a eu un changement de puce. Le matin, il a oublié que c'était Shabbat, mais il se souvenait que ces melachot sont interdites. L'après-midi, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, ce monsieur a un trou de mémoire, mais tout s'est renversé dans sa tête. Il s'est rappelé qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il a oublié qu'on n'a pas le droit de cueillir, de moissonner. Il a oublié qu'on n'a pas le droit de moudre. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Malheureusement, il y a des gens, parfois ils ont de la déconnexion. Donc, lorsque cet homme, après Shabbat, va se rendre compte de tout ce qu'il a fait pendant Shabbat, combien de korbanot doit-il apporter? Qu'est-ce qu'il a fait? 4 melachot. 2 le matin, 2 l'après-midi. 1 et 2 le matin, 3 et 4 l'après-midi. Ketsira Tehina le matin, Ketsira Tehina l'après-midi. Alors on va les numéroter. Ketsira 1, Tehina 2, Ketsira 3, Tehina 4. Combien de korbanot il doit apporter? Si on nous demandait à nous, eh bien on aurait fait un calcul très simple. Le matin, la Shgaga, c'était du Shabbat, donc un seul korban. L'après-midi, c'était Shgagat Melachot, donc 2 korbanot. 1 plus 2 égale 3. Eh bien, Rava va nous dire que non. Avec un seul korban, on va être mechaper les 4 averot. Et du matin et de l'après-midi. Comment ça se fait? Là, on va apprendre de nouvelles notions.
ונודעלו על קצירה ותחינה של שגגת שבת וסדון מלאכות, וחזר ונודעלו על קצירה ועל תחינה של סדון שבת ושגגת מלאכות. C'est à dire, dimanche, il s'est rendu compte d'abord de la Ketsira et de la Tehina du matin. D'accord ? Et après cela, il s'est rendu compte de la Ketsira et de la Tehina de l'après-midi. Le matin, c'était Shgagat Shabbat. L'après-midi, c'était Shgagat Melachot. Donc normalement, quatre korbanot. Pardon, trois korbanot. Un pour le matin, Shigegat Shabbat, et deux pour l'après-midi. Rava va nous dire Ketsira goreret ketsira Utrina goreret trina. C'est-à-dire, étant donné que le matin, qu'est-ce qu'il a fait? Deux melachot à cause de l'oubli du Shabbat. Ketsira et Trina. Combien de korbanot il doit apporter pour le matin? Un korban. Mais étant donné que entre le matin et l'après-midi, il ne s'est pas rendu compte qu'il a fait une avera le matin, il a récidivé l'après-midi. Il a refait la même chose qu'Etsira et Tehina. Puisque il a fait Ketsira du matin et Ketsira de l'après-midi dans le même Erlem, ça veut dire qu'il n'y a pas eu prise de conscience de la Ketsira du matin lorsqu'il a fait Ketsira d'après-midi. Il a refait la Ketsira d'après-midi sans se rendre compte que le matin il avait déjà fait une Avera. Puisqu'il n'y avait pas de Yedirot Mehalkot, il n'y avait pas d'intercalaire, de séparation entre la Melacha du matin et la Melacha qu'il a répétée la même l'après-midi, automatiquement nous disons que le même Korban suffit pour le même Av Melacha, puisque c'était Merlem Echad. Et pareil, la Tehina du matin, elle était Mitra Peret, elle sera expiée, cette Tehina du matin, avec le même Korban du matin, puisque la Ketsira et la Tehina du matin, c'était Bishgagat Shabbat, donc le même Korban suffit pour les deux le matin. Et puisque le même Korban suffit pour les deux le matin, Ketsira et Tehina, et l'après-midi, il a refait Ketsira et Tehina, donc on a déjà dit que Ketsira et Ketsira, c'est une récidive. Tehina et Tehina, c'est une récidive. Traper. Ktsira goret ktsira, Tehina goret Tehina. Mais Rashi soulève une question. Laquelle? C'est qu'il dit que l'ashgaga du matin et l'ashgaga de l'après-midi ne sont pas de la même nature. Le matin, il était shogeg au niveau temporel. L'après-midi, il était shogeg au niveau des melachot, au niveau de la halacha. Donc ce n'est pas du tout la même shgaga. C'est vrai, nous dit Rashi, c'est une petite différence, mais qui n'empêche pas l'assemblage des deux. C'est-à-dire que ça s'appelle Be'alem Echad. Av melacha ketsira. Av melacha ketsira. Et les deux ketsirot, ça a été Be'alem Echad. Alors, avec un seul korban, tu mechapères les deux. Bien que la Shgaga, qui est à l'origine de cette Melacha, n'est pas la même. Ça, ce n'est pas problématique. Cette différence n'est pas une différence halakhique. Alors, on a compris. Pourquoi est-ce qu'un seul Korban suffira pour les quatre infractions? Car les deux Melachot du matin, Ketsira et Tehina, c'était à cause de la même Shgaga. Shigega Shabbat. Une seule Shgaga, un seul Korban. Et comment s'appellent ces melachot? Ketsira et Tehina. Comment s'appellent les melachot qu'il a fait l'après-midi? Ketsira et Tehina. On a déjà dit que quand quelqu'un a récidivé, il refait plusieurs fois le même Av Melacha pendant le Shabbat, dans la même Shgaga et le même Herlem, eh bien, avec un seul Korban, il est mechaper pour tous les Avot. Alors on a compris maintenant qu'il y a un trait d'union entre Ketsira et Tehina du matin, c'est que c'est la même Shgaga. Ensuite, il y a un trait d'union entre Ketsira et Ketsira, c'est que ça porte le même nom. C'est exactement la même Lacha. La Tehina du matin et la Tehina d'après-midi, c'est le même nom.
Alors si la Ketsira et la Techina du matin sont mitra prime avec un korban, alors ce même korban pourra être mechaper toutes les récidives, toutes les Ketsirotes de la journée, toutes les Techinotes de la même journée, étant donné qu'il n'y a pas eu de prise de conscience entre une Ketsira et l'autre, entre une Techina et l'autre. Donc avec un seul korban, ça suffira pour les quatre profanations du Shabbat, pour se faire pardonner. Ça, c'est un premier chidouche de Rava. Mais là où on va voir une machloket en travailler Rava, c'est par rapport au deuxième chidouche. Aval, nous dit Rava. Deuxième ligne de Haïn Aleph. Nodalo al-Ketsira shel Zdom Shabbat, beshigegat melachot. Ketsira goreret ketsira utchina sheima, utchina shekenegda bimkoma omedet. Dans le premier cas, Rava parlait de quelqu'un qui, après Shabbat, dimanche, il a pris conscience de la Ketsira et de la Techina du matin. D'accord ? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été ma friche à Korban, nous dit Rashi. J'ai oublié de vous dire ça, c'est un élément essentiel. Rashi dit, « Al-Shigeh Shabbat usdol melachot vei frish hatat » Le dimanche, il a réservé une bête comme Korban Khatat pour réparer les deux Averot qu'il avait fait Shabbat matin, la Ketsira et la Techina. Les Khatat Zou Mechaperet Al-Shtehem, des Ahada Korban ou des Mechiyam Aleh. Puisque pour le Shabbat matin, quand il a fait Ketsira et Techina à cause de Shigegat Shabbat, alors ça suffit un seul Korban. Et c'est ce qu'il a fait dimanche. Il a réservé une bête comme Korban pour être Mechaper pour le matin. Et on te dit, tu as réservé pour le matin, tu mechaper avec cette même bête, même les averot de l'après-midi. Pourquoi ? Parce que le matin, tu as fait Ketsira, tu as fait Techina. L'après-midi, tu as refait la même chose. Et si ce korban suffit pour le matin, il suffira pour l'après-midi. Puisque c'est exactement une répétition des mêmes melachot. Mais là où il y a une nuance, Aval nodalo al Ketsira shel Zdom Shabbat veshgagat melachot. Mais si la personne a pris connaissance, a pris conscience de son erreur progressivement. D'abord au début, il s'est souvenu dimanche matin, juste d'une action qu'il avait faite Shabbat matin. La Ketsira numéro 1. Il dit, oi, 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 j'avais oublié que c'était Shabbat. Et j'ai fait Ketsira, j'ai moissonné. J'ai cueilli, kagrogeret, oi vai. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une bête, il dit, voilà, cette bête sera mon korban. Donc il a été ma friche, une bête, pour expier quelle faute? La Ketsira du Shabbat matin. Rava nous dit, eh bien cette bête-là pourra expier encore d'autres melachot. Laquelle? Rava nous dit, par contre, si la personne a pris conscience de la Ketsira du Shabbat après-midi, c'est-à-dire la Ketsira numéro 3, et il a pris une bête, il a dit, cette bête-là, elle sera pour réparer la faute que j'ai commise en faisant Ketsira Shabbat après-midi. Et quelle était la nature de cette Shgaga? C'était Zdom Shabbat Beshigegat Melachot. Ça veut dire qu'il s'est souvenu que c'est Shabbat. Seulement, il a oublié la halakha. Il a oublié qu'on n'a pas le droit d'être conservé Shabbat. C'était ça son erreur. Alors maintenant, avec ce korban qu'il a réservé, qu'il a désigné pour être Mechaper, qu'elle avera la Ketsira du Shabbat après-midi, Avera numéro 3. Là, Rava nous dit un Chidush Atzum. Et là, il va innover un concept qui s'appelle Grera. Grera, ça veut dire une chose entraîne l'autre. Comme la locomotive qui entraîne les wagons, on va voir ici maintenant, la Kapara du Korban par rapport à une Avera peut entraîner la Kapara par rapport à une autre Avera. Ketsira, Goreret Ketsira. La Ketsira du Shabbat après-midi va entraîner la Kapara de la Ketsira du matin. Pourquoi ?
Étant donné que la Ketzira du Shabbat matin et du Shabbat après-midi s'était fait dans le même He'alem, il ne s'est pas rendu compte entre les deux de Sarah Vera. Donc, pour les deux Melachot qui sont les mêmes, il y aura le même Korban. Ça, c'est clair. Alors, Ketzira et Goret Ketzira. Ou Trina She'ima. Qu'est-ce que ça veut dire, Trina She'ima? Ce même Korban suffira également pour la deuxième Melacha qu'il avait faite le matin, la Tehina. Puisque le matin, quand il avait oublié que c'était Shabbat, il avait fait deux Melachot, Ketzira et Tehina. Ça s'appelle Tehina She'ima. Maintenant, Tehina She'kenegda Abim Koma Omedet. Par contre, la Tehina du Shabbat après-midi, eh bien celle-là, en effet, il va lui falloir encore un korban. Alors, si on fait maintenant un résumé, un récapitulatif, cet homme-là devra apporter en tout deux korbanot. Le premier korban qu'il a apporté, qu'il avait plutôt réservé pour la Ketzira du Shabbat après-midi, ça va être mechaper trois infractions. La Ketzira du Shabbat après-midi, la Ketzira du Shabbat matin, puisque c'est pareil, Ketzira et Ketzira, Be'alem Echad. La Ketzira du Shabbat matin, si elle est mitraperet, automatiquement c'est mitraper aussi la Tchina qui va avec, puisque les deux étaient intimement liés. La Ketzira du Shabbat matin et la Tchina du Shabbat matin, c'était à cause de la même Shgaga, Shigiga de Shabbat. Il a oublié que c'était Shabbat. Donc ça aussi, c'est mitraper. Ça s'appelle Grera. La Ketzira du matin, la Kapara de la Ketzira du matin, entraîne la Kapara de la Tehina du Shabbat matin. Alors, puisqu'on a numéroté, on a dit le matin, il avait fait 1, 2, Ketzira, Tehina. L'après-midi, 3, 4. Alors maintenant, avec le Korban qu'il avait désigné pour le 3, c'est Mechaper le 3, le 1 et le 2. Mais le 4, c'est-à-dire Tehina du Shabbat après-midi, ça, c'est pas mitraper avec ce korban, il va falloir un autre korban. C'est ce que dit Rava, Utrina, Shekenegda, Bimkoma, Omedet. La Tehina qu'il a fait Shabbat après-midi, qui est en parallèle de la Ketzira du Shabbat après-midi, elle restera intacte. Ça veut dire qu'elle ne sera pas pardonnée, expiée avec le korban de la Ketzira qui était en face. Il va lui falloir un deuxième korban. Et maintenant, Abaye va s'opposer à Rava sur un détail. Abaye ama Tehina dami gorere Tehina. Shem Tehina ahati. Abaye va dire, non, je ne suis pas d'accord. La Tehina, même celle de l'après-midi, elle est aussi mitraperet. Pourquoi? Puisqu'elle porte le même nom que la Melacha du matin. Le matin, il avait fait une Tehina. L'après-midi, il a fait une Tehina, et le korban de la Ketzira d'après-midi suffit pour la Ketzira du matin, qui entraîne la Kapara pour la Tehina du matin. Alors si la Tehina du matin, elle est mitra peret, automatiquement, ça entraîne la Kapara même pour la Tehina d'après-midi. C'est-à-dire que pour Abaye, le carré est parfait. Le carré, c'est quoi? 1, 2 le matin, 3, 4 l'après-midi. Alors regardez comment ça marche. Maintenant, il a pris un korban, il a dit, c'est pour le faire pardonner de la Ketzira du Shabbat après-midi. Numéro 3. Alors, avec ce 3-là, on va monter vers le 1, puisque Ketzira du Shabbat après-midi, ça entraîne le pardon pour la Ketzira du Shabbat matin. Du 1, on va passer au 2, la Tehina, puisque les deux, c'était Shigega de Shabbat. Et ensuite, Tehina du matin entraîne la Kapara pour la Tehina du Shabbat après-midi. Donc, comment ça marche? 3, 1, 2, 4, carré parfait. Donc, pour Abaye, la notion de Grera, elle va encore plus loin. Ça s'appelle Grera des Grera. La Grera, c'est quand on entraîne, lorsqu'on entraîne la Kapara pour autre chose, une autre catégorie. Car Ketzira et Ketzira, ça ne s'appelle pas Grera, puisque c'est le même Av. Grera, ce n'est que lorsqu'on va entraîner autre chose.
comme Tchina par rapport à Ketzira, c'est entraîner une autre catégorie dans la Kabbalah. Alors maintenant, la Gemara va poser la question suivante. Première question. Umitle le Rava Grera. Rava tout de même, il admet la notion de Grera. Grera, ça veut dire gorer, entraîner. La Kapara, pour une Avera, entraîne la Kapara d'une autre Avera. Grera, ze gorer et ze. Puisque tu vois que la kapara que l'homme apporte pour la ketsira du Shabbat après-midi, ça entraîne la kapara de la ketsira du matin, qui entraîne la kapara de la tchina. Alors ça s'appelle grera. Est-ce que Rava est d'accord avec cette notion? Pourtant Rava lui-même a dit que cette notion n'existe pas. Vea itmar, achal shnez et echelev, בעלם אחד, ונודע לו על אחד מהם, וחזר ואכל כזאית בעלמו של שני, אמר רבה, הביא קורבן על ראשון, ראשון ושני מתחפרים, שלישי אינו מתחפר, הביא קורבן על השלישי, שלישי ושני מתחפרים, ראשון אינו מתחפר. כסף ודיר. Imaginez-vous quelqu'un qui a mangé un כזאית de חלב, חלב c'est la graisse interdite, celui qui en mange Beshoguel, il doit porter un korban khatat. Si c'est Bemezid, il est Khayaf Karet. Alors ce monsieur a mangé dimanche un kazaïd de Khelev. Ensuite, lundi, il a mangé encore un kazaïd de Khelev. Mais entre le kazaïd du dimanche et du lundi, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait fait une Avera dimanche. Donc il a fait deux Averot, Be'alem Echad. Combien de korbanot il doit apporter? Un seul korban, puisque c'est la même Avera répétée deux fois Beshogeg dans le même Herlem, dans le cadre du même oubli. Il n'y a pas eu de Yedira Mechaleket, il n'y a pas eu de prise de conscience pour séparer les deux Averot, car s'il y avait une séparation entre les deux Averot, il doit apporter deux Korbanot. Mais étant donné que cette récidive a été faite dans le cadre du même oubli, dans le même Herlem, il n'apporte qu'un seul Korban. Rabotai, imaginez-vous ce qui s'est passé par la suite. Après que cet homme a mangé dimanche et lundi un kazaït, il s'est rendu compte que lundi, il a mangé... Pardon, il s'est rendu compte que dimanche, il a mangé un kazaït. Il a pris connaissance de sa avera du dimanche. Mais il n'a pas encore pris connaissance de la avera de lundi. Parce que la personne qui est venue lui dire « Tu sais que dimanche tu as mangé du khelev, ce que tu avais dans l'assiette c'était du khelev. » Cette personne ne lui a pas dit la même chose pour ce qu'il a mangé lundi. Donc il a pris conscience de la ravera du dimanche, mais il n'a pas pris conscience de la ravera du lundi. Très bien. C'est pas terminé. Mardi, il mange encore un kazaï de khelev. Il ne savait pas. Et ensuite, il y a quelqu'un qui vient qui lui dit « Tu sais, ce que tu as mangé aussi lundi, ce que tu as mangé aussi mardi, c'était du khelev. » Alors cet homme-là maintenant, il a eu trois averot. Khelev dimanche, khelev lundi, khelev mardi. Mercredi, il apporte un korban. Ce korban, il va l'apporter pourquoi? Il va l'apporter, d'ailleurs, quand il avait pris un korban, lundi, pour dimanche, lundi après-midi, il avait déjà pris un korban, il avait dit, voilà, ça c'est pour ce que j'ai mangé dimanche. La halakha est que, même ce qu'il a mangé lundi, c'est mitraper avec ce même korban. Étant donné que le khelev qu'il a mangé dimanche et lundi, c'était dans le cadre du même oubli, alors, quand il a pris une bête, il a dit « c'est pour réparer ma faute du dimanche », c'est comme s'il a dit « c'est pour réparer ma faute du dimanche et lundi ». Car la avera du lundi était faite dans le même herlem, dans le cadre du même oubli de dimanche.
Il n'avait pas encore pris conscience de quoi que ce soit. Eli Korban al Rishon, Rishon Vesheni Mitkaprim. Mais ça ne va pas être Mechaper pour la Avera du Helev de mardi. Car lorsqu'il a mangé mardi, il s'était déjà rendu compte que dimanche, il avait mangé Kazaït. Étant donné qu'il s'était rendu compte, avant de manger le troisième Kazaït mardi, il s'était déjà rendu compte que dimanche, il avait mangé un Kazaït. Donc c'est plus Be'alem Echad. Automatiquement, le Korban qui va apporter pour dimanche matin ne suffira pas pour mardi. Évidemment, puisque ce sont deux He'alamot, deux He'alemot. Alors, Rishon Vesheni Mitkaprim, Shlishi Eno Mitkaper. Par contre, Heli Korban Ala Shlishi, Shlishi Vesheni Mitkaprim, Rishon Eno Mitkaper. Par contre, si mercredi, quand il a pris un Korban, il a dit ça c'est pour ma Avera de mardi, eh bien, en disant ça c'est pour la Avera de mardi, il est Mechaper même la Avera de lundi. Pourquoi? Car quand, lorsqu'il avait mangé mardi son troisième Kazaï de Chelev, il s'était souvenu juste de dimanche. Il n'avait pas encore pris conscience que lundi, il avait déjà récidivé. Il ne s'en est pas rendu compte. Ça s'appelle donc que le Kazaït Relève de mardi et Kazaït Relève de lundi, c'est Be'alem Echad. Donc, il est suffisant d'apporter un seul Korban pour lundi et mardi. Donc, s'il a réservé le Korban pour mardi, c'est Mechaper même lundi. Alors répétons, s'il a réservé un korban pour dimanche, c'est Mechaper même pour la Avera de lundi. S'il a réservé un korban pour la Avera de mardi, c'est Mechaper même pour la Avera de lundi. Mais dimanche n'est pas Mechaper pour mardi, et mardi ne peut pas être Mechaper pour lundi, car entre eux, il y a un intercalaire, c'est la prise de conscience. Entre dimanche et mardi, il s'est rendu compte de la Avera de dimanche. Donc, ce n'est pas Be'alem Echad. Très bien. Maintenant, nous dit Rava, Hevi Korban ala Emtsaï, Mitrapru Kulan. Par contre, si il a pris le Korban, il a dit, je l'apporte pour être Mechaper le lundi. Ce que j'ai fait comme Avera lundi. Qu'est-ce qu'il a fait comme Avera? Il a mangé Kazaït Relève lundi. Lundi, il est Be'alem Echad avec dimanche, et il est Be'alem Echad avec mardi. Donc il y a un trait d'union entre lundi et dimanche, il y a un trait d'union entre lundi et mardi, alors s'il a dit, ce Korban, il est pour la Avera de lundi, c'est Mechaper Shloshtam, puisque ça s'appelle Be'alem Echad à droite et Be'alem Echad à gauche. Abaye Amar, Afilou Evi Korban, Alechad Mehem, Mitrapru Kulan. Abaye dit non. Abaye dit qu'il n'y a aucune différence. Qu'il apporte un Korban pour dimanche, ou pour lundi, ou pour mardi, c'est toujours Mechaper Shloshtam. Pourquoi? Grira, Gover. Puisque le dimanche est lié au lundi, donc si tu apportes un Korban pour dimanche, tu as entraîné la Kapara pour lundi. Puisque lundi est lié au mardi, donc automatiquement, par le digne de Gréra, tu es Mechaper Shloshtam. Les Shloshtam, ils sont Mechuparim. Voilà comment Abaye a été Holek sur Rava. En tout cas, Abaye tient du principe de Gréra. Et Rava ne tient pas du principe de Gréra. Donc Rava se contredit. Chez nous, il nous a dit que si quelqu'un a réservé dimanche un korban pour être Mechaper, la Avera numéro 3, c'est-à-dire la Ketsira du Shabbat après-midi, eh bien cette Ketsira, elle est liée intimement à la Ketsira du matin, puisque c'est le même nom, Be'alem Echad. Donc c'est sûr que Ketsira d'après-midi, Mechaper pour la Ketsira du matin. Le korban qu'on apporte pour la Ketsira d'après-midi, c'est Mechaper aussi pour la Ketsira du matin. Mais qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a dit aussi qu'étant donné qu'il y a un trait d'union entre la Ketsira du matin et la Tchina du matin, alors Ketsira et Goreret Tchina, puisque les deux c'était Bishgaga chez le Shabbat. Il a oublié que c'était Shabbat, c'est pour ça qu'il avait fait les deux. Donc tu vois qu'il a le dîne de Grira.
Ketsira d'après-midi entraîne la kapara de Ketsira du matin, et la kapara de Ketsira du matin entraîne la kapara de Tahina du matin. Ça veut dire que Rava, il tient du principe de Gréra. Alors pourquoi il n'a pas dit la même chose pour quelqu'un qui a mangé du Khelev dimanche, lundi et mardi? Lorsque on est Gorer, le Gorer, là c'est déjà Midin Gréra. C'est comme ça que Rashi explique. Ou mitle les Rava Gréra atchina she'imak aparir. De mi Gréra imak tzira. Afalgam de korban la ahaik tzira ifrish. Le korban, il n'était pas pour cette ketzira du matin. Comme Rashi dit, de inar kuleu la Gréra ika. Tous les autres, ce n'est pas vraiment de la Gréra. De ktzira ou ktzira berle mechad la Gréra i. D'école Shem Abera d'Echpal Kama parmi Berlevechat, en Boela Khatatachat. Réponse. La Gemara nous dit Batar de Shem Abaye Savra. En effet, au début, Rava ne tenait pas de ce principe de Gréra. Mais lorsque Abaye lui a dévoilé ce secret, il a accepté, il a approuvé, et désormais il a adopté cette notion. Il a appliqué, en effet, la notion de Gréra. C'est pour cela qu'il nous a dit que Ketsira goret Ketsira, Tchina goret Tchina, et la deuxième halakha, Nodalo al Ketsira, Shelzdon Shabbat, ou Jvekat Melachot, Ketsira goret Ketsira, ou Tchina Sheima. Très bien. La Gemara dit, Achi, Tchina nametigror le Tchina, si Rava a reconnu la justesse de Abaye, pourquoi est-ce qu'il n'a pas adhéré totalement à tout ce qu'a dit Abaye? Abaye a dit aussi que Arba'atam, pas seulement la Trina du matin, les Mechoupelet, pas seulement la Ketsira du matin, mais même la Trina d'après-midi. Ça veut dire que pour Abaye, quand dimanche, cet homme a pris un korban et il a réservé pour la Kapara du numéro 3, c'est-à-dire la Ketsira d'après-midi. Alors comment Abaye a fait? Il a fait ce qu'on appelle le carré parfait. Comment? Il est passé du numéro 3, Ketsira numéro 3, à Ketsira numéro 1 du Shabbat matin. Ensuite, de là, il passe à la Tchina, qui est l'action numéro 2. Et de là, du 2, il passe au 4. Ketsira, 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 Tchina, Tchina, Tchina. Le carré parfait. Et c'est comme ça, Nitkapru Kulam. Alors la Gemara dit, si Rava reconnaît et il a prouvé ce qu'a dit Abaye, pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout? Pourquoi il s'est arrêté à trois Melachot? Il dit en effet, avec un korban, tu peux être Mechaper que pour 3, 1, 2. Mais le 4, non. La Trina d'après-midi, bim koma omedet. Il faut un autre korban pour être Mechaper. Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas la même chose? Réponse, Gréra Itle. Gréra de Gréra l'Hitler. Il a approuvé les paroles de Abaye, mais pas totalement. Il a accepté la notion de Gorer, mais une seule fois Gorer, mais pas Gorer de Gorer. Et Abaye, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Gorer de Gorer. Parce que déjà, grâce au Corban pour le numéro 3, tu m'as dit, ok, 3 et 1, c'est la même chose parce que c'est la même Melacha, Ketsira et Ketsira. Mais le 1 et 2, c'est déjà Trina, c'est déjà plus la même Melacha. Comment tu as fait pour être Mechaper? Gorer, Pseder. Mais après que la Trina du matin soit Gorer la Trina d'après-midi, alors là, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que c'est Gorer de Gorer. Comme disent les Israéliens, Oreach Machnis, Oreach Baal Abayit Boreach. Un invité qui apporte un autre invité, le Baal Abayit, il se sauve. On ne peut pas faire Gréra les Gréra, nous dit Abaye. Rava, pardon. Rava n'est pas d'accord avec Gréra des Gréra. Et maintenant, la Gemara continue en disant Milta de Pshita le ou le Abaye. Le Abaye ve Rava, mi baya le Rabbi Zera. Cette notion de Gréra. Pardon. Cette notion de lier la halama du matin avec la halama d'après-midi, bien que
ce ne soit pas la même Arlama. C'est-à-dire, c'était quoi le matin? Qu'est-ce qui s'est passé dans la Ktira et Hina du matin? C'était une Shgaga de Shabbat. L'après-midi, quand il a refait les mêmes Melachot, c'était quoi? Shgagat Melachot. Le matin, il ignorait le temps, il a perdu le calendrier, il a cru qu'aujourd'hui c'est pas Shabbat, bien qu'il se souvenait toutes les Melachot interdites Shabbat. Mais, Pashut, il a perdu la notion du temps. Donc, ça s'appelle Shgagat Shabbat, le matin. L'après-midi, il a récidivé, mais pas avec les mêmes données. L'après-midi, il s'est rendu compte que c'était Shabbat. Mais il a oublié les Melachot. Il a eu un trou de mémoire. Et il a fait encore une fois, Ketzira et Techina. Qu'est-ce qu'on a dit? Ketzira, Goreret, Ketzira. Techina, Goreret, Techina. Ça veut dire que le korban que tu vas apporter pour la Ketzira du matin, elle entraîne la Techina qui va avec, et elle entraîne la Ketzira d'après-midi, et Ketzira d'après-midi, et la Techina du matin entraîne la Techina de l'après-midi, tout va bien. Mazé, d'où tu sors ça? La Gemara dit, Milta de Pshita lele Abaye ve Rava Bibaya lele Rabbi Zera. Ce qui était une évidence pour Rava et Abaye, ce n'est pas du tout évident pour Rabbi Zera. Rabbi Zera se posait bien mettre la question. Débat, et Rabbi Zera be Rabbi Assi, car un jour Rabbi Zera a posé la question à Rabbi Assi, ve Abre la Bara Minne Rabbi Irmia be Rabbi Zera. Et certains disent que ce n'est pas Rabbi Zera qui a posé la question, c'est Rabbi Irmia qui a posé la question à Rabbi Zera. Quoi? Katsar v'tachan hatsi grogeret b'shkigat shabbat uzdon melachot, v'chazar v'katsar v'tachan hatsi grogeret b'zdon shabbat b'shkigat melachot. Ma'u sheitztarfu. Qu'est-ce que ça veut dire? La question est la suivante. Quel est le din si quelqu'un a pris un demi-shi'our, le volume de Melachot Shabbat par rapport à tout ce qui est nourriture, on a dit quel est le volume? Kagrogeret. Quel est le din si quelqu'un a pris une demi-grogeret le matin et une demi-grogeret l'après-midi? Par exemple, il a été tohen, il a moulu une demi-grogeret le matin. Il a moulu à nouveau l'après-midi une demi-grogeret. Mais pas par rapport à la même shgaga. Le matin, pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce que il a oublié que c'était Shabbat aujourd'hui. Bien qu'il savait que c'est assourd de faire cette melacha de Tohen. L'après-midi, c'était le contraire. Il s'est rendu compte qu'aujourd'hui on est Shabbat, mais il a oublié que c'est assourd de moudre. Et il a moulu encore un demi-grogeret. Est-ce qu'on va dire que le demi-grogeret du matin et le demi-grogeret de l'après-midi s'associent pour considérer qu'il a moulu qu'un grogeret, donc un shiur complet, et par conséquent il doit apporter un korban hatat pour se faire pardonner le dimanche, ou bien on va dire non. Étant donné que cet homme-là, quand il a fait la avera le matin, c'était par rapport à Shigegat Shabbat. Quand il a refait la Avera l'après-midi, c'était par rapport à Shigegat Melachot. C'est pas la même nature de Shgaga. Alors peut-être que ce n'est pas associable. Tu peux pas additionner une demi-grogeret du matin avec celle de l'après-midi et dire voilà, une moitié, ça fait une entité. Ça marche pas comme ça. Car la Avera du matin et la Avera d'après-midi n'étaient pas de la même nature. Car le matin, c'était Shigegat Shabbat, et l'après-midi, c'était Shigegat Melachot. C'est la question qu'ils ont posée. S'ils ont posé cette question, sous-entendu qu'ils ne sont pas d'accord avec Abaye et Rava. Car Abaye et Rava ont dit de manière absolument évidente que la Shgaga du matin, bien que c'était au niveau du Shabbat, c'était temporel, et la Shgaga d'après-midi, c'était au niveau des halakhot, malgré tout, on peut additionner, mettre en rapport la melacha du matin et la melacha d'après-midi, et dire qu'il apportera qu'un seul korban pour les deux Shgagot,
parce que c'était Be'alé Mehad. Et pourtant, ce n'est pas de la même nature. Amarle, Hanukin Hataot Velo Mitztarfin. Au Behemet, la réponse était, contrairement à Abaye et Rava, il n'y a aucune commune mesure entre le demi-grogueret de Trina du matin et le demi-grogueret de Trina d'après-midi. Vous avez vu que je me suis focalisé sur Trina et je n'ai pas parlé de Ketsira. Pourquoi ? Pour ne pas vous embrouiller. Car Rashi dit « O katsar o tahan ». Ici, ce n'est pas comme dans le cas précédent, au début de la Sugya, on a parlé de katsar v'tahan le matin, katsar v'tahan l'après-midi. Non. Ici, maintenant, dans la question de Rabbi Zera, c'était « O katsar o tahan ». Vous comprenez, c'est juste des exemples. Alors, je prends « tahan », c'est plus facile. Comme exemple, on peut dire la même chose. Katsar un demi groguerette le matin, katsar un demi groguerette après-midi. Est-ce qu'on peut additionner les deux demi groguerettes pour dire qu'il est rayav? Et la réponse est que non. Il ne sera pas rayav ratat. Car la ketsira du matin, c'était shigegat shabbat. L'après-midi, c'était quoi? Shigegat melachot. Aucune commune mesure. Ils n'ont rien en commun, ces deux gagotes. On ne peut pas les additionner, ces deux demi-groguerettes. Aïe, 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 aïe. La Gemara s'étonne et elle adresse une objection par rapport à cette réponse. Elle dit « Bekol echad echalukin echata'ot lom itztarfe » Qu'est-ce qu'il lui a dit comme réponse? Il lui a dit « C'est pas mitztaref. » Pourquoi? Car c'est Halukim et Hataot. Quel aurait été le din si on avait un Shi'ur Shalem le matin? Un Shi'ur Shalem l'après-midi? Par exemple, Katsar Vetahan, les deux en même temps. Katsar Vetahan, pour le matin, combien de korbanot tu apportes? Un korban. L'après-midi, il s'est rendu compte par exemple que le matin il a fait la Avera. L'après-midi, il a récidivé. Mais. Parce qu'il a oublié que ces mélachotes sont interdits. Il s'est rappelé que c'est Shabbat. Combien de Khataot il va apporter pour l'après-midi, pour Ketsira un korban, pour Trina un korban? Ce qui veut dire qu'ils sont halukim les Khataot. Si cette mélacha que tu fais, elle appartient à une catégorie de Shigegat Shabbat, qui est un seul korban Khatat, et les mélachotes que tu fais l'après-midi, ça appartient à la catégorie de différents korbanot par rapport aux différentes shgagot, shigat melachot, alors il n'y a pas d'assemblage possible, il n'y a aucune association possible. Eh bien pareil, là aussi. Alors Morei Rabotai, la Gemara dit, ah bon, est-ce que c'est vrai ça? Pourtant on a appris le contraire. Les kolécha de chalouki de chataot lo mitztarfe. Ve'atnan, achal chelev et chelev be'alem echad, eno chayavela achat. Quelqu'un qui a mangé du chelev le matin, et encore un kazaï de chelev l'après-midi, dans le cadre du même oubli, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas rendu compte de sa faute. Entre les deux consommations, du chélève le matin et du chélève l'après-midi, alors il apportera un seul korban, parce qu'il ne s'est pas rendu compte. Achal chélève vedam venotam ou pigoul, be'alem echad hayavam kolachad ve'achad. Mais quelqu'un qui a fait quatre avérotes différentes, il a mangé du chélève. Hayav karet, alors hayav khatat. Vedam, il a mangé un kazaï de dam, donc hayav khatat. Le notar, il a mangé un kazaï de notar, un korban qui a dépassé son temps de consommation. Celui qui mange après le zman, eh bien il est chayav karet bemezid, chayav korban chatan beshogeg. Pigoul, pareil, il a mangé du pigoul. Beshogeg, il apporte korban chatat. Donc, quatre chatat. Helev, dam, notar, pigoul. Bien que c'était be'alem echad, bien qu'il ne s'est pas rendu compte de la faute précédente, entre une faute et l'autre. Très bien. Zuhomev, Bemini Marbe, Bemini Echad. La Mishnah nous dit, ça c'est en effet
la Humra que l'on retrouve mais minim armé par rapport à Minechad. Minechad, tu récidives, Berlem Echad, un seul korban. Tandis que si c'est minim armé, quatre espèces de fautes, eh bien c'est quatre korbanotes, même si c'était dans le cadre du même oubli. Par contre, Vezé Homer ben Minechad minim armé, la Mishnah continue et elle nous dit, voilà la Humra qu'on peut trouver dans Minechad par rapport à différentes espèces. Chez Imachal Hatsi Zaïd, Vechazar Vechal Hatsi Zaïd, Miminechad, Hayav, Mishne Minim Patour. Si quelqu'un mange un demi Zaïd de Minechad et un demi Zaïd encore, Léotomine, d'accord, Bigde Achilat Pras, Bigde Achilat Pras, en l'espace de 6 minutes. Et il a mangé deux demi Kazaïd. Minechad, Berlem Echad, qu'est-ce qu'il doit apporter? Il doit apporter un korban. Comment ça se fait? Pourtant, Zechat Sizaït, Vezechat Sizaït. La réponse, on peut assembler deux demi-kazaït, puisque c'était Bigde Achilat Pras. Mishne Minim Patour. Par contre, s'il a mangé un demi-kazaït de Helev et un demi-kazaït de Dam, à Filou Berlem Echad et à Filou Birde Achilat Pras, malgré tout, il n'apportera pas du tout de korban. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé kazaït de Helev, il n'a pas mangé kazaït de Dam. Tu ne peux pas dire un demi-kazaït de Helev et un demi-kazaït de Dam sont associables. Pas du tout. Donc, c'est ça ce que la Mishnah nous enseigne. Ve'avinan ba. Et la Gemara pose la question, elle dit « Mimin echad chayav tzricha lememar » Je vois pas le chidouche. Quand tu me dis que si c'était un demi-kazaït et un demi-kazaït, « Mimin echad » ça veut dire un demi-kazaït de chélev et encore un demi-kazaït de chélev. « Be'alem echad birde achilat pras » il est oui chayav de korban hatat. Ma chidouche. C'est Pshita. Quel est le chidouche? Quelqu'un qui prend un demi-kazaït de Khelev, il a mangé. Et en l'espace de 3 minutes, il a mangé encore un demi-kazaït. Et Berlem Echad. Mais c'est évident qu'il doit apporter un korban khatat. Où est le chidouche? Verma Rish Lakish, Meshum Bar Totani. Rish Lakish a dit au nom d'un Hacham qui s'appelait Bar Totani. Ici, on parle de quelqu'un qui a mangé de deux plats différents. Ça a cuit dans deux plats différents. Dans un plat, ça a bouilli, et dans une marmite, ça a rôti. C'est-à-dire, on a mis par exemple avec de l'eau à bouillir, cette viande, pardon, ce chélève. Et dans l'autre, c'était sans eau. Tzli. Tzlikedar, rôti dans la marmite, sans eau. Ça s'appelle deux plats différents. Shnetamhouin, dans deux marmites différentes, mais deux cuissons différentes, comme ça dit Rashi. Alors, le chidouche, il est que malgré tout, c'est associable, bien que Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua dit, d'amar tamhoui mechalkim. Maoudetema, qui ama Rabbi Yoshua, ben la kula ben la humra, kamash marla, de la kula lo amar, la humra amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Rabbi Yoshua nous a dit ce hilouk-là à propos de quelqu'un qui a mangé deux fois kazaït. Par exemple, il a mangé kazaït helev qui était rôti. Kazaït helev qui était bouilli dans deux marmites. Berlem Echad. Donc il a récidivé. Kazaït helev et kazaït helev. Berlem Echad. Malgré tout, combien de korbanot il doit apporter? Nous on aurait dit un seul. Rabbi Yoshua dit deux. Pourquoi? Étant donné que la cuisson
étaient différentes, dans deux mamies différentes, c'est considéré comme deux produits, deux espèces différentes, comme Helev et Dam. Eh bien, Rabbi Yoshua nous a dit ça que la Chumra, que pour le condamner à deux korbanot. Kazaït Helev, Betamchou Yechad, Kazaït Helev, Betamchou Yacher. Deux korbanot. Bien que c'était Be'alem Echad. Par contre, il ne dirait pas ça, la Kula. C'est-à-dire un demi-chélève, mais tamhoui, et un demi-chélève dans un autre tamhoui, c'est associable. C'est ça le chidouche. On ne dit pas la Kula. Bon, il a mangé un demi-kazaït rôti. Il a mangé un demi-kazaït bouilli. Et donc, ce n'est pas associable. Il te dit oui, c'est associable. On peut additionner demi-kazaï, demi-kazaout, même si c'est deux tamchouïm. L'ahmir, car Rabbi Yoshua a dit que la khumra, pas la kula. Donc, la khumra pour dire qu'il est khayav deux korbanot s'il avait mangé deux kazaït. Mais pas la kula pour dire que s'il a mangé un demi-kazaï de rôti et un demi-kazaï de bouilli, alors ce n'est pas associable, parce que c'est dans deux marmites, et donc il n'est pas tour totalement. Hayav, c'est ça le chidouche. Nifla beyoter. Aïe, donc la question de la Gemara, c'est une bombe. Ve'acha de halukim le rataot, ve kamit starfe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois que s'il avait mangé kazaït et kazaït, il serait hayav de combien de rataot? Deux rataot. D'accord. Et pourtant, ils sont mitzarfim. Chatsi zaïd et chatsi zaïd, c'est mitzaref. Bien que si c'était zaïd ve zaïd, c'est pas mitzaref au niveau des korbanot. Alors comment se fait-il que là-haut, on avait dit halukim le chataot ve lo mitzarfim. Rappelez-vous, quelle était la question que Rabbi Zera avait posée? La question c'était katsar. Quelqu'un qui a fait, par exemple, Ketsira ou Techina le matin, pour demi-groguerret, avec quel Shgaga? Shgaga de Shabbat, ou Zdom de la Chote. L'après-midi, l'inverse. Il a refait un demi-groguerret, Shgaga de la Chote, des Zdom de Shabbat. Donc, ce n'est pas la même nature de la Shgaga, mais c'est Be'alem Echad. La Shgaga n'est pas la même, mais c'est Be'alem Echad. Quel était le din? Il lui a dit, c'est pas un mitztaref, c'est pas un mitztaref les chiyuv khatat. Pourquoi? Halukin et khataot, halukin aussi les shirurim, lo mitztarfim. Il lui a dit, mais tu vois que ce n'est pas une référence, c'est pas vrai. Tu as fait une comparaison qui n'est pas raison. Bien qu'ils sont halukin et khataot, mais c'est pas pour autant que c'est pas mitztaref. La preuve, c'est que tu vois que le chélev, kazaït chélev et kazaït chélev, dans deux tamchouïm, c'est pas mitztaref, hayav deux korbanot. Et pourtant, les rinyan hatsi zaïd, le hatsi zaïd, c'est mitztaref. Pour être mes hayav auto korban echad. Alors là aussi, on devrait dire hatsi grogueret du matin. Il a été tohen hatsi grogueret le matin. Il a été tohen hatsi grogueret l'après-midi. Tu devrais dire qu'il est hayav korban chatat, bien que la Shgaga n'est pas la même. Le matin, il était Shogeg au niveau du Shabbat. L'après-midi, il était Shogeg au niveau des Melachot. Aïe, aïe, aïe. La Gemara répond, et mais la réponse, elle est recherchée, elle est longue. Amarle, mar, arecha, matnela, de kashiale. Vous, vous appliquez ce débat à la Recha, les paroles de Rish Lakish, par rapport à la Recha qui avait dit Mimin Echad Hayav, et c'est pour cela que vous êtes arrivé à une voie sans issue. Mais moi je dis que les paroles de Rish Lakish ne se rapportent pas au début de la Mishnah, Mimin Echad Hayav, mais plutôt
Mishne minim pturim. Et donc, automatiquement, il n'y a pas de kushia. C'est-à-dire, rappelez-vous, c'était quoi minechad? Chelev. Chelev et chelev. Dam et dam. Le matin, pas le matin. Achad bigde achilat pras. Un demi-zaïd de chelev. Et tant que derrière la place, mais Alem Echad, il a mangé encore un demi-kazaïd de chelev. Alors, on avait posé la question, mais c'est quoi le chidouche? Et là, on est arrivé à Rish Lakish, qui avait dit au nom de Bartotani, qui avait dit que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yoshua, qui a dit que Mishnet Amchouim, c'est différent. C'était le seul chidouche. Il a dit non, non, pas du tout. Ça ne s'applique pas du tout à la Risha. C'est par rapport à la Sefa. Mishne minim pturim. Lorsque quelqu'un mangeait un demi-kazaïd de chélev et un demi-kazaïd de dam, on avait dit que c'est pas mitztaref. Et là-dessus, il y avait une kushia. Regardez. Mishne minim patur tzrichale mema. C'était cela qui était étonnant. Qu'est-ce que la Mishnah avait besoin de nous dire? Qu'un demi-kazaïd de dam et un demi-kazaïd de chélev, c'est pas mitztaref, mais c'est évident. Ça, c'est le issur de chélev, ça, c'est le issur de dam. Comment je peux penser une seconde que c'est associable, qu'on peut additionner les deux demi-kazaïd? Mais aucun rapport. Ce sont deux averot bien distinctes. C'était ça la question. Alors, la réponse était que shneminim, faut pas traduire shneminim par deux espèces. Dans le sens de dame et de chélève, deux catégories, de ils sont pas du tout. Là-dessus, Amarish Lakish, Meshum Bar Totani, les Olamim Midechad, les Amaikarel et Shneminim, Shachalo Bishnet Amhouim. Mais Rabbi Yoshua, des Amar Rabbi Yoshua, Tamhouim et Chalkim. Mais Akamash Malad, des Amar Rabbi Yoshua, Ben Lakula, Ben Lakumra. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il est écrit dans cette Mishnah que deux demi-kazaïtes ne sont pas associables, il ne faisait pas allusion à deux catégories de issur. Par exemple, dam et chélev. Ça, c'est évident. Le chidouche, il est le suivant. Que même si c'était chélev, mais un chélev dans un plat bouilli et un chélev dans un plat grillé, ce sont deux modes de cuisson différents, eh bien, en effet, ce n'est pas associable. Et c'est là tout le chidouche de Rabbi Yoshua révolutionnaire. C'est que, bien que cet homme-là ait mangé un kazaït entier de chélev, kdeachilat pras, berlem echad, et tout de même il est pareil à korban. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua, c'est son opinion personnelle, Rabbi Yoshua dit tamhouim mechalkim. Les plats, les marmites, séparent les deux demi kazaïtes. Là c'est rôti, là c'est bouilli. Ce sont deux modes de cuisson, ils n'ont rien en commun, ce n'est pas associable. Et donc le chidouche de Rabbi Yoshua, il est ben lakula, ben lakumra. Ben lakula, comme on vient de dire, qu'il ne sera pas hayab de korban. Et ben lakumra, qu'il sera hayab de korbanot s'il avait mangé kazaït bouilli et kazaït rôti. Voilà la bataille. Et maintenant, la Gemara pose une question sur ce pirouche. Mide sefa. Minechad ou shne tamchouim, mikla derecha, minechad betamchoui echad, min echad betamchoui echad, slichal et memar. Ça veut dire que dans ce cas-là, lorsqu'on avait dit dans la recha, mi minechad hayav, mi shne minim pato, bokertov, il n'y a aucun chidouche. S'il a mangé deux chatsae zetim, mais tamchoui echad, c'est ça ce que tu appelles maintenant minechad, c'est le même issur et tamchoui echad, le même mode de cuisson, dans la même marmite. Et c'est quoi shne minim, deux marmites différentes, même si c'est le même issur, chélev et chélev. Alors je vois pas le chidouche. Il a mangé deux demi-kazaïdes qui ont cuit dans la même marmite, et birde achilat pras, berlem echad, il est chayav korban. Boker tov. Il n'y a aucun chidouche. Mais c'est évident. Il a mangé à Issour, kazaït chélev,
de la même nature, de la même cuisson, dans le même erlem, dans le même zman, mais c'est évident qu'il est chayav korban. Je vois pas le chidouche. Le chidouche est le suivant. Amar Rav Huna Achabim Ayaskinan Kigon Shaitalo Yedia Benataim Verabban Gamliel Hide Amar En Yedia Le Hatsi Shiur. Incroyable. Une réponse phénoménale. Le chidouche, c'est de nous dire que cet homme qui a mangé un demi-kazaï de chélev et encore un demi-kazaï de chélev en l'espace de 6 minutes, Birdé Achilat Pras, et c'était exactement la même cuisson et tout, et tout, et tout. Il est Hayav Korban. Et on s'était posé la question, mais c'est évident qu'il est Hayav Korban. Alors ici, on parle d'un cas précis, un cas spécial. C'est que lorsqu'il a mangé le premier demi-zaït, Hatsi Kazaït de Chélev, il avait oublié que le Chélev est interdit. D'accord ? Ou bien il avait oublié que ce morceau, c'est du Chélev. Il a mangé un demi-kazaït, et quelqu'un lui dit, eh oh, tu sais que ça, c'est du Chélev ? C'est pas de la graisse permise, c'est de la graisse interdite. Il dit, waouh, alors c'est à source que j'ai fait. Oi, oi, oi. D'accord. 2 minutes après, il mange encore le Hatsi Kazaït. Alors, le bonhomme vient lui dit, mais je t'ai dit que c'est à sourd, que c'est du Chélev. Il dit, waouh, j'ai oublié encore une fois. Il y a des gens comme ça, ils sont déconnectés. Donc il a mangé un premier Hatsi Kazaït de Chélev par oubli. Il s'en est rendu compte parce que quelqu'un lui a dit. À nouveau il a oublié. À nouveau il a mangé un demi Kazaït. Tout ça virdé Achilat Pras. Et alors là, c'est quoi le chidouche? Nous on aurait dit qu'il n'est pas tour de Korban. Pourquoi? Parce que Yedirot Mechalkot. Quand est-ce qu'on est Hayav Korban? C'est seulement si c'était Be'alem Echad, dans le cadre du même oubli. Mais là, étant donné que, à mi-chemin, il s'est rendu compte de la Avera du demi-Kazaït, du premier demi-Kazaït. Et après qu'il s'est rendu compte, il a oublié à nouveau, il a mangé encore un demi-Kazaït. J'aurais pu penser qu'il n'est pas Hayav Korban du tout. Parce que Yedira Mechaleket. La prise de conscience de la Avera par rapport au demi-shiro premier empêche l'association avec le deuxième demi-shiro. Pour ça que Rabban Gamliel se dit non, en yedira le hatsi shiro. La yedira, quand elle intervient qu'au niveau du hatsi shiro, ça n'a pas d'impact. Ça n'a aucun impact, cette yedira. La yedira, elle est mechaleket entre shiro et shiro. Mais pas entre demi-shiour et demi-shiour. Donc ça, c'est un grand chidouche. C'est fabuleux. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, la Guémara. Maintenant, la Guémara va se livrer à un autre débat, mais toujours en rapport avec les Shgagot et les Alamot. Itmar. Achal shnez et echelem be'alem echad. Quelqu'un qui a mangé deux kazaïtes, deux fois kazaïtes de Chélev, Berlem et Had. Le matin, il a mangé un kazaït. Ou bien au lieu de dire le matin, je vais dire lundi et mardi. Lundi, il a mangé un kazaït de Chélev. Mardi, il a mangé un deuxième kazaït de Chélev. Mais c'était Berlem et Had. Il ne s'est pas rendu compte entre l'un et l'autre de la première Avera. Donc il a récidivé dans le cadre du même oubli. Venodalo à la Richon, et Hazar Venodalo à la Chénie. Mercredi, il s'est rendu compte que lundi, il avait fait première Avera. Jeudi, il s'est rendu compte que mardi, il avait fait une deuxième Avera. Rabbi Yochanan Amar Hayav Shtaim, Rish Lakish Amar Eno Hayav Ela Achat. Rabbi Yochanan te dit, étant donné que les prises de conscience sont arrivées l'une après l'autre, successivement, ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu compte en une seule fois.
des deux Averot. Il s'est rendu compte en deux fois. Alors pour chaque prise de conscience, d'après Rabbi Yohanan, il y a une nécessité de Korban. Tandis que pour Rish Lakish, étant donné que les Averot ont été faites Be'alem Echad, même si les prises de conscience de ces deux Averot étaient successives, consécutives, elles n'étaient pas simultanées, Haya, un seul Korban. Et chacun cite un pasouk à l'appui. Rabbi Yochanan amar Hayav al Hatato Vehevi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rabbi Yochanan, la personne doit apporter un korban pour chaque hatat. Tu t'es rendu compte de la première avera, apporte un korban. Après, tu t'es rendu compte de la deuxième avera, apporte un korban. Donc deux korbanot. Berish Lakish amar Patour. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que la Torah a écrit le même Mehatato, c'est-à-dire que pas besoin d'apporter pour chaque korban, pour chaque avera un korban, Mehatato venislahlo, même si tu as été mechaper une partie du Erlem, tu es mechaper sur tout le Erlem. Tu as fait une récidive de deux Averot. Tu as oublié une première fois, tu as oublié une deuxième fois, et tu ne t'es pas rendu compte entre les deux. Et bien, dans ce cas-là, même si tu as apporté un korban que pour la première Avera, étant donné qu'elle est liée à la deuxième, c'était Berlem Echad, Mehatato, Venislahlo. Une partie du Hatat pour lequel tu as apporté un korban, c'est Mechaper sur tout le Het, sur toute Avera. La Gemara dit Berish Lakish active al Hatato Behevi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Berish Lakish va faire avec le pasouk qu'a cité Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan a bien cité un pasouk al Hatato Behevi. Voulez-vous que je vous lise le pasouk de l'un et de l'autre? Alors je vais vous lire. Les deux psukim figurent dans Parashat Vayikra. Un pasouk, c'est dans pasouk Kavvav, et l'offre c'est deux psukim après, pasuk kavhet. Le premier c'est Vet kol helbo yaktir amizbeha, ke helev zevahashelamim, ve chiper ala bakoen mechatato venislahlo. Ça c'est le pasuk cité par Rish Lakish. Et le pasuk cité par Rabbi Yochanan, Ohoda elav hatato, asher hata, vehevi korbano seirat izim temima nekeva, al hatato asher hata. Donc tu vois, Al-Hatato Vehevi, il faut apporter un korban pour chaque het. Alors qu'est-ce qu'il va faire Rish Lakish avec ce pasouk? Réponse, Haou Le'ahar Kapara. C'est-à-dire que si l'homme a déjà carrément apporté au Beth Amikdash le sacrifice pour la première Avera dont il s'est rendu compte, et au moment où il a sacrifié le korban, il ne s'était pas encore rendu compte de la récidive de la deuxième Avera. Alors, en effet, puisqu'il a apporté ce korban au Beth Amikdash et il a sacrifié que pour la première Avera, c'est pas mechaper la deuxième Avera. Mais s'il n'a pas encore apporté et il s'en est déjà rendu compte, ça veut dire qu'avant de sacrifier mamash le korban, il s'est rendu compte de la deuxième Avera. Alors il est suffisant d'apporter un seul korban pour les deux averot. Ou le Rabbi Yochanan a mis actif mechatato venislahlo. Alors Rabbi Yochanan, on va lui poser la même question. Qu'est-ce que tu vas faire avec le pasouk de Rish Lakish? C'est bien écrit dans la Torah. Mechatato venislahlo, ça veut dire qu'il est suffisant d'apporter un korban pour être mechaper qu'une partie du Erlem, et c'est mechaper tout le het. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan te dit que, en fait, quand est-ce que, en effet, c'est oui, mechaper, une partie
et mechaper sur la totalité, c'est dans le cas suivant. Imaginons par exemple, un homme a mangé un kazaït et demi dans le cadre du même oubli. Achal kazaït ou mechetsa. Il a mangé un kazaït et demi. Et après, quelqu'un vient et lui dit, tu sais, tu vois ce kazaït, c'était du helev. Il ne lui a pas dit le kazaït et demi, c'était du helev. Il lui a dit, tu vois ce que tu as mangé ici, une partie de l'assiette. Cette partie-là, un kazaït, c'était du helev. Il ne lui a pas dit même l'autre demi, c'était du helev. Donc il a pris conscience, ben taïm, que pour kazaït. Il n'a pas pris conscience pour le deuxième demi-kazaït. D'accord ? Et Torkédé, Achilat Pras, il a mangé encore un demi-kazaït. Alors là, tu vas me dire, tu vois, quand est-ce qu'il a pris conscience de l'autre demi-kazaït ? Qu'après ? Voilà que quelqu'un d'autre arrive et lui dit, eh oh ! Le demi-kazaït déjà, du kazaït vachetzi, que tu avais mangé avant, déjà c'était du chélev. Et même le deuxième khatsi kazaït, c'est aussi du chélev. Monsieur, tu as mangé deux kazaïts chélev maintenant. Mais comment est-ce qu'il a pris connaissance? Il a pris connaissance en deux temps. D'abord, il a pris connaissance du kazaït et pas kazaït et demi. Donc il y a un demi-chiron qui est resté isolé. Rabbi Yohanan te dit, ce demi-kazaït qui est resté isolé, il est mitraper avec le premier korban. Le korban du premier kazaït est mitraper le demi-kazaït qui est resté isolé. Car un demi-kazaït n'est pas suffisant pour un korban. Automatiquement, puisqu'il n'est pas suffisant pour un korban, il est annexé au kazaït premier. Et par conséquent, le korban que je vais apporter pour le kazaït premier va être mechaper pas seulement kazaït, va être mechaper même pour le deuxième demi-kazaït, bien que le deuxième demi-kazaït, j'en ai pris connaissance qu'après avoir mangé encore un demi-kazaït, ce qui fait kazaït et kazaït. Seulement, comment c'était kazaït et kazaït? D'abord un kazaït et demi, et ensuite un demi-kazaït. Mais entre les deux, il y a eu prise de conscience pour le premier kazaït. Donc le premier demi-kazaït qui restait seul n'était pas associable, il n'était pas du tout additionnable. Il était, pour l'instant, il était tout seul. Eh bien, il a été mitraper par annexion. Puisqu'il était annexé au premier kazaït, à ce moment-là, il a été mitraper avec le premier. Donc, l'omitztarev. C'est ça ce que dit Rashi. C'est ça ce que dit, pardon, la Gemara. Maoud était malitztarfu. Kamashmarad que non. Il n'apportera pas un deuxième korban. Il n'apportera qu'un seul korban pour le premier kazaït. Il va être mitraper pour le demi-kazaït qui était annexé, et il n'apportera rien pour le deuxième demi-kazaït. Et maintenant, la Gemara nous dit que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, on veut comprendre exactement c'est quoi leur machloket. Amar les Rabbi Dalai Ravashi, d'étiadarle kodem afrachat ligé, ou behap ligé, des morsavar yediot mechalkot, ou non savar afrachot mechalkot, aval et afracha modele rish lakish le Rabbi Yochanan, de chayav shtaim, odil ma d'étiadarle le afrachat ligé, ou behap ligé, des morsavar afrachot mechalkot, ou morsavar kaparot mechalkot, aval kodem afracha modele Rabbi Yochanan le rish lakish, de no chayav el achat, odil ma ben bezou machloket. La Gemara maintenant va approfondir la machloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Elle va rentrer dans les détails du détail. Écoutez la beauté du safek d'Agmara. C'est du miel.
Rabbi Yochanan et Rish Lakish se sont appuyés sur un pasouk chacun pour nous dire que parfois un seul korban suffit pour les deux kazaïtres élèves, parfois il faut deux korbanot. Je répète, Réhouven a mangé un kazaïtre élève dimanche. Il a mangé un kazaïtre élève lundi. Ensuite, il s'en est rendu compte pour le kazaïtre de dimanche. Il s'est rendu compte quand ? Mardi. Et le kazaïtre qu'il a mangé lundi, quand est-ce qu'il s'en est rendu compte ? Mercredi. Donc, il a pris connaissance en deux temps des avérotes qu'il a faites en deux temps. La question était de savoir combien de korbanot il apporte. Est-ce qu'il apporte un seul korban, puisque au moment de l'action de la Avera, c'était Be'alem Echad, la Avera qu'il a faite dimanche et lundi, c'était dans le cadre du même oubli, ou bien on va prendre en considération les Yedirot, Yedirot Mechalkot, les prises de conscience des Averot qu'il a commises. Et ça, ça s'est fait en réalité en deux temps. Rabbi Yochanan dit, c'est vrai, que Yedirot Mechalkot, et Rish Lakish dit non, les Yedirot ne sont pas Mechalkot. Parce que les Yedirot, elles sont Mechalkot, que si la Yedira, elle a eu lieu entre une action et une action. Mais si les deux actions, c'était Be'alem Echad, ce n'est qu'après qu'il a pris conscience, en deux temps, des deux Averot qu'il avait fait Be'alem Echad, ça, ce n'est pas Mechalek. Ces Yedirot ne sont pas Mechalkot. Alors maintenant, la Gemara cherche à comprendre exactement cette marloquette. Est-ce que Yedirot Mechalkot ou pas, les Yedirot qui se font a posteriori. Ça veut dire quoi Yedira? Il y a trois hypothèses. Soit Yedira, soit Hafracha, soit Hakrava, ce qu'on appelle Kapara. Répétons. Yedira, Hafracha, Kapara. Yedira, c'est comme on a dit, prise de conscience. Hafracha, c'est plus que cela. C'est prendre la bête et la réserver comme korban pour la Avera X, pour la Avera Y. Ça s'appelle Hafracha. Il a mis de côté la bête pour la désigner, la réserver comme korban pour telle Avera précisément. Troisième hypothèse, pas seulement qu'il a pris conscience, non seulement qu'il a réservé la bête, mais il a même sacrifié. Ça veut dire que il a fait la Avera dimanche, il a fait la Avera lundi. Mardi, il s'est rendu compte de la Avera de dimanche, et il a pris une bête, il a réservé, il a sacrifié. Nahon. Mercredi, il s'est rendu compte de la Avera de lundi. Alors là, il se peut que c'est là où il y a Mahloket. C'est-à-dire que Kaparot Mechalkot, c'est là où il y a Mahloket. Excusez-moi. Dans Kaparot Mechalkot, tout le monde serait d'accord. La Mahloket, elle est que dans Hafrachot. Alors, Kapara, si je dis que Kapara Mechaleket, tout le monde est d'accord là-dessus, et la Mahloket, elle est que dans Hafracha, est-ce que Hafrachot Mechalkot ou pas? Mais les Yedirot, d'après tout le monde, c'est pas Mechalek. Je peux dire comme ça. Yedirot, d'après tout le monde, c'est pas Mechalek. Bien que ce soit fait en deux temps, c'est pas Mechalek. Les Kaparot, d'après tout le monde, c'est sûr que c'est Mechalek. Là où il y a Mahloket, c'est Hafrachot. Le fait d'avoir été ma friche, un korban d'abord pour la Avera première. Alors ça y est, ça fait que le nom du korban, c'est le nom de la Avera première. Ça ne peut pas maintenant s'appliquer à la Avera numéro 2. C'est ce que pense Rabbi Yochanan. Et Rish Lakish dit non. J'ai pris conscience maintenant de la deuxième Avera. Je rajoute sur le même korban Avera numéro 2. Puisque au moment où j'ai fait la Avera, c'était Be'alem Echad,
C'est pas parce que j'ai réservé le korban déjà pour la Avera numéro 1 que je peux pas rajouter dessus la Avera numéro 2. Oui, la Hafrasha n'est pas Mechaleket. Alors dans ce cas-là, la Mahloket elle est que dans le cas intermédiaire. Hafrashot. Il n'y a pas de Mahloket au niveau de Kaparot. Tout le monde est d'accord que Kapara Mechaleket, si j'ai déjà fait le korban, c'est sûr qu'il faudra apporter un deuxième korban pour la Avera numéro 2. Mais dans le cas aussi où il n'y avait pas eu du tout de Hafrashot, il n'y a eu que Yedirot, tout le monde est d'accord que Yedirot no Mechaleket, un seul korban suffira pour les deux Averot. Ou bien on peut dire que non, la Mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, elle est justement au niveau de Yedirot théorique. Yedirot Mechaleket ou Yedirot no Mechaleket. Mais Hafrashot, et à plus forte raison qu'à Parot, c'est sûr que c'est Mechalek. Alors relisons. Amar le Ravina le Ravashi. Amar le Ravina le Ravashi. Détiédale. Kodem Hafrasha pligé. Ou beha pligé. De morsavar yedirot mechalkot. Ou morsavar Hafrashot mechalkot. Amar le Ahar Hafrasha. מודל ריש לקיש לרבי יוחנן דחייב שתיים עוד אילמה דתיידלה לאחר הפרשה פליגה ובה פליגה מור סבר הפרשות מחלקות ומור סבר כפרות מחלקות אבל קודם הפרשה מודל רבי יוחנן לריש לקיש דנו חייב אלא אחת עוד אילמה בן בזו מחלוקת תחוזים היפותז זה כבר מחלוקת עוד רבי יוחנן לריש לקיש אלה דיון אקסטרם על אותר. C'est que Rish Lakish dit, même s'il y a eu Hafrasha, ou bien qu'il y ait eu que Yedira, ça ne change rien. Un seul korban suffit. Quand est-ce que qu'on peut avoir un Mechalek, quand est-ce qu'on pourrait avoir ici un intercalaire, c'est que si il a fait vraiment une kapara déjà, qu'il a déjà sacrifié la bête pour la première Avera, alors il faudra apporter un deuxième korban pour la deuxième Avera. Mais Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Ben Bezou. Qu'il y ait eu Yedira ou qu'il y ait eu Afrasha, ça y est, c'est Mechalek. Pas seulement l'Afrasha est Mechalek. Même la Yedira, c'est Mechalek. Donc, Rabbi Yochanan, il est super Mahmir. Parce qu'il dit que, pas seulement s'il a été mafrish un korban pour la première Avera, qu'il faudra apporter un deuxième korban pour la deuxième Avera. Mais même dans le cas où il a juste pris conscience de la première Avera, eh bien ça y est, il doit porter deux korbanot. Parce que la Yedira, même a posteriori, elle est Mechaleket. Et Rish Lakish dit, ni la Yedira Mechaleket, ni la Afrasha Mechaleket. Il n'y a que la Kapara qui est Mechaleket. Alors je répète, soit leur Mechaleket elle est qu'au niveau Yedira, soit leur mahloket elle est que au niveau Afrasha, soit ben bezou mahloket, aussi bien dans Yedia comme Afrasha. Amar le mistavra ben bezou mahloket. Il lui a dit, la logique veut que la mahloket entre eux, elle est dans les deux cas. Pourquoi? Deis al kadatar kodem Afrasha plig, car si tu vas me dire que leur mahloket elle est kodem Afrasha, au niveau de la Yedira, est-ce que Yedira Mechaleket, oui ou non, mais s'il a déjà désigné, réservé le Korban, alors même Rabbi Yochanan, même Rish Lakish serait d'accord avec Rabbi Yochanan que les Chayav Shtaim, qu'ils doivent apporter deux Korbanot, alors dans ce cas-là, j'ai une question. Un des mots qui me l'écra, les Achar Kapara, l'Ukme, les Achar Afrasha. Lorsque Rabbi Yochanan avait posé la question à Rish Lakish. Il lui avait dit, qu'est-ce que tu fais avec mon pasouk? Il lui a dit, ton pasouk, il parle de Ahare Kapara. Une fois que le korban a été fait, alors il faut apporter deux korbanot pour les deux Averot. Il n'avait pas besoin de lui dire ça. Il aurait pu lui dire même les Ahara Frasha. Il ne lui a pas dit ça. Vei Ahara Frasha Plig, et si tu vas me dire que la Mahloket elle est que au niveau de la Afrasha.
Ça veut dire que quand il était mafriche Korban pour la première Avera, et ensuite il s'est rendu compte de la deuxième Avera, est-ce qu'il faut être mafriche un deuxième Korban, oui ou non? Si tu vas me dire que c'est que dans ce cas-là qu'il y a Marloket. Mais si c'était que au niveau théorique, au niveau de la Yedia, il n'y a pas de Marloket. Même Rabbi Yochanan serait d'accord avec Rish Lakish pour dire qu'un seul Korban suffit pour les deux. Avant de connaître ma fracha, modélé Rabbi Yochanan et Rish Lakish, l'une chayav et la achat, j'ai une question. Ah, des mots qu'elle écra, mais kazaït ou mechet, ça l'ouk me, connaît ma fracha. Au lieu de lui dire, quand Rish Lakish a posé la question à Rabbi Yochanan et lui a dit, qu'est-ce que tu fais avec mon pasouk, Rabbi Yochanan est parti chercher un cas tiré par les cheveux en disant que le pasouk qui parle du cas où le bonhomme, il a mangé un kazaït et demi, et ensuite il a mangé, pardon, et ensuite il s'est rendu compte qu'il a fait une ravera par rapport à un kazaït, et ensuite il a mangé encore un demi kazaït, et c'est là qu'on dit que la yedira et les mechaleket, qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller chercher si loin? Il aurait pu lui dire, ton passou qui parle de Kodem Afracha. Ça veut dire que il aurait pu lui dire tout simplement, il y a un cas où je suis d'accord. Tant qu'il n'a pas été ma friche, c'est juste une yédira théorique, mais ça n'est pas passé à l'action, il n'est pas passé à l'acte pour désigner un corban. Alors, dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi que la yédira n'est pas Mechaleket. S'il ne lui a pas donné cette réponse qui était beaucoup plus simple et qu'il a cherché une réponse tellement compliquée, c'est qu'il n'avait pas le choix. Donc forcément, Ben Bezou ou Ben Bezou Mechaleket. La Mechaleket, elle est dans les deux cas. Rabbi Yochanan et Rish Lakish pensent qu'il n'y a pas... Pardon. Rish Lakish pense qu'il n'y a pas de Chilouk. Ben Beyedia et Ben Beafracha. Et Rabbi Yochanan pense qu'il y a Hilouk, Korbanot, ne serait-ce pas seulement Beafracha, même Beyedia. Alors, la Gemara dit, ce n'est pas sûr. Ta démonstration, elle est belle, mais elle n'est pas forcément vraie. Je peux te donner encore une autre analyse. Et ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Be'emet yacholiyot, que la Gemara elle-même, quand elle a cité et elle a présenté la Mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, elle a présenté dans une forme de Imtim Tselomar. Qu'est-ce que ça veut dire Imtim Tselomar? Imtim Tselomar, c'est un mode de réflexion. Ça veut dire que quand moi j'ai un doute, et donc j'ai un safek, alors je te dis, mon safek, il est soit dans ce cas, soit dans ce cas. Parce que j'ai un doute de quel cas il parle. Et donc la Gemara elle-même, quand elle a présenté le débat de Rish Lakish, c'était Bederech Imtim Tselomar. Imtim Tselomar Kaama. Imtim Tselomar Kodem Afrasha Pligeba. Rabbi Yochanan Echimo Kelalekra. Bekazait ou Mechetza. Ve Imtim Tselomar Lehan Afrasha Pligé. Rish Lakish Echimoke Lalekra, Beleahar Kapara, ça veut dire comme ça. Bemet, toutes les hypothèses sont acceptables. Ça veut dire, c'est pas obligé de dire que Ben Bezou Mahloket. On peut dire que la Mahloket, elle est Davka, Leahar Yedia, pas Leahar Afrasha. Et dans ce cas-là, Imtim Tseloman, Kodem Afrasha Pligé, Rabbi Yochanan Echimokim Lalekra. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yochanan avec ce pasouk? Il sera obligé de dire que le pasouk qui parle du cas très recherché de quelqu'un qui a mangé un kazaït et demi, et ensuite il a pris connaissance de sa ravera par rapport à un kazaït, ensuite il a mangé encore un demi kazaït, et c'était là tout le rinyam qui était assez complexe par rapport à ce pasouk. Mais ça, c'est hypothétique. La Gemara t'a présenté une possibilité d'expliquer le pasouk selon cette hypothèse. Ve'imtim tselomar le'ahar afrasha pligé. Rish Lakish echim okel alikra, be'le'ahar kapara. Et également, selon la deuxième hypothèse, où on dirait que leur mahloket est davka le'ahar afrasha, pas l'ifne,
Alors, selon cette hypothèse, comment Rish Lakish expliquerait le pasouk de Rabbi Yochanan? Eh bien, mais la harkapara, puisque Rabbi Yochanan a dit al hatato ve'evi, qu'il faut apporter un korban pour chaque het. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire Rish Lakish avec ce pasouk? Il va te dire, ce pasouk, il parle du cas de figure précis où le bonhomme a déjà offert le sacrifice. Il a déjà apporté au Beth Amikdash son korban expiatoire. Il a déjà expié la première faute. Et ensuite, après le korban, il a pris connaissance de la deuxième faute. C'est sûr qu'il doit apporter un deuxième korban. Mais tout cela, c'est selon les hypothèses. Donc, la Gemara dit, mon dilemme reste entier. On a toujours le même safek. Peut-être que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, il parlait de Yedia, théorique, mais pas les Harafrasha. Les Harafrasha, même Rish Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan, qu'il faut apporter deux korbanot, ou l'inverse, leur mahloket, elle est que les Harafrasha. Mais au stade de Yedia, il n'y a pas de mahloket, même Rabbi Yochanan d'accord avec Rish Lakish qu'un seul korban suffirait. Soit, troisième hypothèse, que leur mahloket est les ben bezou mahloket. Et on n'a aucune preuve, ni pour cette hypothèse, ni pour celle-là. C'est comme ça que la Gemara a réfuté la belle démonstration qu'avait voulu faire la Gemara. Elle dit non. Ravina a réfuté la démonstration de Ravashi, et donc la Gemara est restée en effet en suspens. Qu'en est-il de cette mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Est-ce qu'elle est par rapport à la prise de conscience théorique ou prise de conscience pratique? Ça veut dire que c'est passé de la pensée à l'acte, que le bonhomme, il a été mafrich un korban pour la première avéra, et donc il a pris conscience de la deuxième avéra après cet afracha, après cette réservation, et donc est-ce qu'il a besoin de réserver encore un korban, oui ou non? D'après Rish Lakish. Voilà mon Rav Ravotai pour aujourd'hui, et j'espère que ça a été suffisamment clair, car le sujet, en effet, n'est pas très facile. On est vraiment dans Maseret Kodshim, dans les Kadashim, dans le Seder Kodshim, où on parle des Korbanot, et la Gemara s'est vraiment focalisée sur la notion des Korbanot. Donc on est sorti un peu de Maseret Shabbat pour entrer dans Seder Kodshim de Maseret Zvahim. Voilà les amis!